Hello les gens, c'est Lozolac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle map. Alors oui, ce n'est plus Wakedown 2. Alors croyez-moi, j'ai essayé de faire la suite, mais ça devenait totalement bordélique. C'était vraiment des trucs anglais, enfin bref, ça devenait plus trop marrant. Donc j'ai décidé d'arrêter là Wakedown 2. Ça aurait quand même été marrant jusqu'aux 5 premiers épisodes, mais après c'était vraiment des trucs sur le vocabulaire anglais et tout ça. Donc c'était vraiment des trucs genre des mots bien bien compliqués, hein. C'est pas genre juste un nom de mob ou quoi que ce soit, c'était vraiment bien plus hardcore. Donc je me suis dit bon, on va pas se faire chier, c'est pas trop marrant, on va pas faire ça. Et du coup on se retrouve sur 30 Ways to Die, voilà une map par Z49. Donc on doit être au minimum en easy difficulty, donc ouais bon, on va se mettre en normal. Hop. On doit, ouais bon d'accord. Two players not allowed, ok bah on est solo de toute façon. Et pour reset, on doit redownload. Donc on est bon, on n'a rien fait. C'est inspiré par la map 11 Ways to Die. Et donc 30 Ways to Die. On a Start Game. Alors, Level 1, Fall Damage. On a des items. Ici, on a What to Do. Bon, d'accord. Donc là, ok, c'est une plaque de pression. Bon, alors, je suppose, à mon avis, qu'il faut juste prendre des dégâts de chute. Hein. À mon avis, c'est ça. De toute façon, il y a marqué Fall Damage, donc ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Wow. J'ai sauté sur un truc, ça. Ok, on a plus beaucoup de bouffe, de toute façon. Donc, ouais, bon. Là, ça devrait aller. Franchement, quand on a... Je sors de du truc de Wakedown 2, franchement, là, ça va, c'est plutôt simple. Alors, ouais. Bon, après, vous me direz, c'est le level 1. Voilà, super. Du coup, nous sommes morts. Ou level 2 water. Alors, on a... Ok, alors ce que je suppose, c'est qu'il faut juste... Hop, mettre de l'eau et mourir dans l'eau. À mon avis, c'est ça. Et on n'a plus qu'à attendre et à profiter de la génialissime mort à laquelle nous allons avoir droit dès maintenant. Puisque il nous reste encore 3 bibules. Attention, c'est bon, on va prendre des dégâts. Hop, alors au début, si je me souviens, c'est lent les dégâts et puis après ça s'accélère, non? Non, j'ai faux. Non, c'est tout le temps la même vitesse. Bon, en tout cas, ça devrait bientôt être bon. Parfait. Ensuite, level 3. Qu'avons-nous? Alors, oula. Alors, à mon avis, c'est une sorte de The Dropper. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, je vois que dalle. Ah, attendez, on va essayer de zoomer un peu. On va option graphique. Que dalle. Ah, faut peut-être sauter sur les plaques de pression. D'accord, c'est tout l'inverse qu'il fallait faire. Je ne vois que dalle. Ah, attendez, là il y a peut-être un truc. Attendez. Ok, la lave est tout là-bas. C'est-à-dire qu'il faut juste en fait passer par là. Non. Attendez, j'essaie de comprendre. Donc là, on a un passage. Et là, on a de la lave. Attendez. Ok, je vois. Je comprends. Non, mais on est vrai. Oh là là, ça devient difficile. Hein. Donc là, on passe par là. On tombe dans le truc. Et là... Ah, super. On va juste... Voilà. Et nous sommes morts. Super. Bon, du coup, anti-gravity maintenant. Qu'est-ce qu'on a? What to do? Non, ça ne nous intéresse pas. Anti-gravity potion. Oh. D'accord. En fait, on doit juste... Ah, c'est bien fait. Franchement, c'est intéressant hein, comme truc. Hein. Donc... Même si c'est dommage qu'en fait, on... Ça nous montre juste, on voit pas les autres trucs à l'envers, mais c'est toujours sympathique et voilà. Ensuite, wow, là ça fait beaucoup de trucs. Hein. Je pense qu'il va falloir se faire une machine qui va nous tirer des flèches sur la gueule. Donc hop, hop, on va remplir ça. Alors, Redstone Contraption. Donc on va hop, 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 on va mettre... Ah oui, je vois ce qu'il faut faire, ok, ça.
Alors, je sais pas si je saurais le refaire maintenant. Mais genre, il faut juste... Hop, hop, hop. Et genre, il faut placer cassé. Ok, c'est bon. On est bon. Et voilà, ok. Bon, ça c'était pas mal pensé. Il faut quand même connaître un petit peu les trucs de Minecraft. Oh, bon, ça c'est easy. Hop. Ça, ce n'est pas bien compliqué, monsieur. Ça, c'est juste un... Bon, je pense qu'on peut officiellement m'applaudir. Vraiment. Ouais, ouais, tout doux. Bah oui, mais du coup... Il faudrait que le feu me tue, je suis sûr. Voilà, bah c'était obligé. Slash game mode. C'est, hein, écoutez, on va juste repasser un briquet parce que du coup on a quand même réussi. Je sais pas si c'était en game mode 2 ou en game mode 1. Bon, faut que j'arrête d'appuyer sur le feu par contre, hein, sérieusement. voilà, ensuite qu'avons-nous? The Tree Trap. C'était peut-être du game mode 2. Hein. Non, c'était du game mode S. Je pense. The Tree Trap. Ah oui, c'est ce truc. Est-ce que c'est ce truc où quand on casse un arbre, ça met de la TNT? Voilà. Super, super. Tue-moi. Hop. Est-ce qu'on peut encore voir ce qui reste de l'ancien level, s'il vous plaît? Ouais, c'est là-bas. Alors, what to do? Ok, donc, je suppose que... Ok, donc il faut se laisser l'anvil tomber, tu sais. Ouais, on va se... placer ici. Hop. Si sympathique anvil. Et voilà. Bon, ça c'était pas bien compliqué. The Void Bed. Ah, je vois. Hop. Alors, à mon avis, ça doit être ça. Day. Night. Et du coup, on doit dormir là-dedans, c'est ça? On quitte le lit. Jump, jump, jump. Allez, salut. Ok, donc c'était ça. Il fallait... Alors pour moi, en fait, j'allais suffoquer, mais non, non, c'était pas ça. C'était juste que ça nous a TP ailleurs. Alors, The Nether. Qu'est-ce qu'on a? On a... Faut aller dans le Nether, je pense qu'il va falloir mourir dans le Nether. À mon avis, c'est ça. Bon, pour l'instant, ça va. C'est pas encore trop creuse ménage pour tout ce qu'on a eu à faire. Hop. Let's go to the Nether. Alors, bonjour Nether. Oh là, ça va être facile de mourir, je pense. Hein. Il n'y aura pas de difficulté particulière. Je vais juste m'amuser un petit peu à miner. On va quand même se faire un petit jacuzzi. Voilà. Adieu. Wow, what? C'est quoi le fuck? Quoi? J'ai pas compris. Bon, ok. The end. Alors. Pourquoi on a des bâtons de blade? Ouais. Ah oui. Non, le con. J'utilisais mes perles du néant. Oh là là. Ouais. Game mode C. On va juste se donner deux perles du néant. Hop, hop. C'est tout. Voilà. Alors, il fallait juste se crafter des œils du néant. Voilà. Moi, comme un con, j'ai voulu directement les placer, mais c'était encore des ender pearls. Du coup, ça m'a tout tué. Et hop là. Bon, ça, c'était pas bien complexe. On arrive dans le Nether. Alors, enfin dans le Nether, pardon, dans l'End. Est-ce que ça vous dit qu'on meurt contre des Endermans et pas juste dans le vide comme tout citoyen lambda l'aurait fait? Moi, je suis partant pour totalement mourir, le faire entièrement. Alors du coup, on va aller à la surface. On va attendre notre cher dragon qui est là-bas. Allez, ramène-toi. Petit salaud. Viens. Bon, par contre, si ça prend trop de temps, honnêtement, je pense qu'on va se suicider, mais pour l'instant, j'ai quand même bien envie qu'il se ramène le dragon. Allez, monsieur dragon. Est-ce qu'on peut mettre la difficulté en... difficile. Ça spawn pas d'endormant. Allez, mon petit dragon. Dragon, dragonnet. Viens là, STP. Bon, sinon, on va se suicider, mais... Ah, c'est dommage. Allez, viens. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on va aller juste sauter dans le vide, on va se remettre en difficulté normale du coup. On va lui dire au revoir à monsieur dragon puisqu'il va pas, il veut décidément pas nous tuer. C'est pas grave, tant pis pour toi, hein. T'aurais pu avoir un petit repas gratos. Bah nous, on se casse. Hop là. Le grand saut vers le néant. Voilà,
nous sommes de retour. Un archer accident. Alors ça, il y a un coffre. Ok, alors, ouais, d'accord. Il faut juste se tirer dessus. Alors, hop, bon, ça c'est pas encore trop complexe. Hop, non, j'ai envie de me tirer dessus, genre pour me booster. J'arrive pas à le faire, ça, je suis pas talentueux. Bref, on va se retirer dessus dans le sens du... Hop, 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 hop. C'est presque bon, on a un cœur. Et voilà. Léo Zelux s'est fait tirer de... Léo Zelux s'est fait tirer dessus par un Léo Zelux. Waouh. Hunger. Ok, alors qu'est-ce que c'est ce truc? Ah ouais, on va avoir faim. Yes. Bon, bah, faut qu'on court, genre, bien... Bien comme il s'en doit. Hop. Voilà. On va tout boire. C'est pas fini. Hop. Je veux bien tout boire. Ah. Bon, du coup, on va sauter. Bon, de toute façon, ça change rien. On a juste à rester un petit peu AFK. En attendant de mourir. Hein. Je pense que je vois que ça comme Solus. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Hein. On a juste à mourir. Et voilà, du coup, on est enfin mort. J'avais fait un petit timelapse pour vous parce que sinon c'était très 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 long. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des perles du néant. Bon, des immortels. Ok, je pense qu'il faut juste prendre les dégâts de l'Ender. Bon, bah voilà. Alors, je sais pas exactement ce qu'on a fait, on est même sorti du truc. Fioldo Witch Hat. Qu'est-ce que ça nous fait? On a de la force. Ah oui, d'accord, c'est des effets random. Ok. Vitesse. Saut amélioré. Ah, voilà, on a trouvé le bon. Suffocate. Ok, ça c'est facile. Hop. Et voilà. Ça, c'est très facile même. Tac, tac, tac. On va bientôt mourir normalement. Presque bon. Hein. Et voilà, ok. Bon, ça c'était relativement simple. What to do. Ok, bah juste. En fait, il fallait juste appuyer sur le bouton what to do. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il faut se faire des potions de dégâts par ici. Alors, du coup, on a besoin de prendre de l'eau. Hop, on va se faire quelques fioles. Quelques. Donc, fou des verrues du misère. Alors, la pastèque scintillante, à mon avis, c'est pour faire de la soin. Mais est-ce que de la soin plus de l'œil d'araignée fermenté, ça ferait pas un petit peu de dégâts ou je sais pas quoi? Alors on va tester de mettre ça. Après ça va nous donner de la soin du coup, comme je l'ai dit. Mais est-ce que ça va marcher? C'est presque bon. Ok, alors du coup on va tester de mettre ça. Est-ce que ça fait quelque chose? Oui, ça fait quelque chose. Déjà c'est qu'on a peut-être un... Au début, je vais bouffer un peu d'ailleurs. On peut pas bouffer ça. Oh, je peux même pas bouffer ça. Je pense pas. On va faire avec. Ouais, il faut que ça nous fasse quelque chose, SVP. Dégâts instantanés. Yes, yes, yes. On va foutre ça pour faire de la dégâts instantanés 2. Et la poudre à canon, ce serait pour faire des trucs qu'on peut jeter. Mais en l'occurrence, on n'a pas vraiment besoin. Comment dire, de les jeter hein, puisque on peut directement les boire, ce sera plus simple je pense. Donc on va juste attendre que ça nous le fasse et puis on va se suicider. C'est bon, hop, alors voilà, et on est bon, on est mort, super. Ensuite, level 19, qu'est-ce qu'on a? Alors on n'a pas de coffre, look up, on a... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, attendez, look up, ah, fallait appuyer sur le... Je pense. Ouais. Ok, on est mort. What's that sound? Ah ouais, oui, ils aiment bien la TNT. Ah ouais, d'accord. Pic tunnel. Alors. Ok, je vais juste faire un petit slash time set day, les gens, parce que... Non, on n'y va que dalle. Hop, super. On va aller ici, je pense. D'accord, donc là, c'est là où il faut sortir. Ah oui, c'est bon, je vois ce qu'il faut faire. Donc en fait, on place le pig, on y va. Allez, pigounet.
Comment tu marches? Alors je comprends pas pourquoi ce pigouni ne veut pas marcher. Allez. C'est intéressant tout ça. Je vois pas trop. Il y a pas vraiment moyen de faire autre chose, je pense. Enfin, je sais pas. Je suis pas un pro de la. Ah, lui, il accepte d'avancer. Allez, ça fonctionne. Hop. Ok, super. Donc il faut juste qu'on suive le tunnel et on sera mort d'ici quelques secondes. Hop là. Voilà, bon, on va se lâcher du pig, on peut laisser crever. Dans la joie et la bonne humeur. Oh, je crois qu'on l'avait vu. Hein. Lava jump. Donc, ok. Alors il faut juste... En fait, il faut qu'on arrive à... atteindre cette lave. Spawn horse A. Alors. D'accord. Donc en fait, il faut qu'on lui donne une pelle. Et. Ok. Ah, ça c'est pas mal pensé déjà. Là ça. Là on commence à être sûr du niveau d'intelligence très très élevé. Something awaits up there. Ouais, mais quoi? Faut qu'on puisse y aller. On va cliquer sur What to Do du coup. Ah, oh, j'entends des minecarts. Je pense que c'est des minecarts TNT. Bon, bah voilà. Ok. Cactus Everywhere. Ok, bon, ça c'est pas très difficile. Hop, on va bien y aller. Hop, hop. Voilà. Et on y est. C'est bon. On est mort. Il nous reste 5 niveaux et déjà on est au niveau 20. What? J'ai pas pigé. Bref. Ensuite, qu'avons-nous? What to do? Ok, comme d'hab. On a un jukebox. Dirty music. What to do? Ah. D'accord. Donc la musique style, ouais, ils auraient pu mettre du juke, ça m'aurait vraiment tué. Ça aurait vraiment marché. Bon. Merci. Hop là. Et ouais, on crame. Avec la petite musique de fond là, on est en train de mourir, c'est sympathique, c'est sympathique. Au revoir. Ensuite, qu'avons-nous à faire? Wolf attack. Ah, voilà. Maintenant, what to do, c'est même pas un bouton genre pour aider. Hein, c'est... Alors, moi, je vous propose qu'on place vraiment la masse de loups. Hop, on va vraiment en placer genre le plus possible. S'il vous plaît. En fait c'est lui. Oh, merde. Oh non, je les ai frappés. Bon bah voilà. Dommage, j'aurais bien aimé en mettre plus que 64, mais ça a quand même bien marché là ça. What to do? Alors. Oh. Ça va être bien ça. Alors du coup. Je m'enguis vraiment la masse. Enfin, je n'oublie pas. Hop. Et on va essayer de survivre le plus longtemps. Avec plus d'un stack de cochons zombies dans la salle. Hop, on va vraiment placer la masse. Alors, on va observer l'œuvre du démon en F5. Là, si on meurt pas, mais... What the fuck? What the fuck? Ah ouais. D'accord, what was that? Alors du coup le niveau 30, il faut juste à se faire exploser. Boum, boum, boum. Et attention, vous êtes prêts? Splat, et voilà. Nous, wow. Qu'est-ce qu'on a? Contraption. 30 ways to play. Pourquoi j'entends pas monter? Ça me rassure pas cette tête. Bref, nous avons fini la map les amis. Wow. On va juste aller voir un petit peu le truc contraption qui m'intéressait.
Alors, je me suis quand même viandé dans le vide à la fin d'une map. Ça, c'est mon talent si particulier. Bref, du coup, les gens, j'espère que ça vous aura plu, cette petite map 30 ways to die. Voilà, nous allons cliquer sur notre cher bouton. Ah, voilà, c'était tout ce qu'il y avait comme système de redstone, ok. Moi, je m'attendais à quelque chose, genre tout faire péter sur la map. Bon, écoutez, c'est dommage, ça nous l'a pas proposé. Par contre, on peut le faire nous-mêmes. Hop, alors, du coup, on va un petit peu homemade explosion ici. Bon, ici aussi, hein, les commandes blocs, il n'y a pas de raison que ça y passe. Hop. Voilà, nous avons... Oh merde, j'ai activé la redstone. Bon, vite. Non, mais je veux pas. Allez. Hop là, voilà. Allez. Bon, ça casse pas les commandes blocs, c'est vrai que c'est un peu la même particularité que l'obsidienne, mais ça nous casse bien un petit peu tout le reste, comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà. Bon, du coup, bref, les gens, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'aura bien plu de faire cette vidéo. Et du coup, moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo, forcément. Et je vous retrouve demain pour le tutoriel de graphisme, voilà, qui portera probablement sur le FOV, voilà, puisque ça m'a été pas mal demandé et ça peut être intéressant de faire un petit tutoriel là-dessus. Comme ça, vous comprendrez bien comment fonctionnent nos chères caméras sur Cinema 4D. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, comme je l'ai dit à chaque fois. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo, voilà. Moi, je vous souhaite de bien vous porter et sur ce, je vous dis ciao, ciao.